que dire beaucoup de bien et d'Allah Djitoulé pour avoir inspiré aussi beaucoup de jeunes musiciens, en tout cas de ma génération, moi. Allah Djitoulé a beaucoup inspiré les bassistes, aussi d'autres instruments, les guitaristes et tout. Quoi. C'est un musicien d'abord. Je le place d'abord comme un très très bon musicien qui a beaucoup touché une génération comme la mienne ou les plus jeunes encore. Mais ça a été. Il a eu un parcours musical exemplaire. Voilà. Quand on parle de Alaïe Touré, ça me rappelle l'histoire. L'histoire de l'homme, de ce que l'homme a œuvré, ce que l'homme a posé, ce que l'homme a eu comme volonté de faire un travail qui a permis aux autres d'avoir aussi envie de travailler. Nous autres, nous sommes venus très loin. Donc si moi je parle de Touré, je ne parlerai pas de Touré comme tout le monde, pas comme un musicien, mais comme quelqu'un qui a donné sa vie pour aider des générations à avoir un métier, à trouver une place dans la société. Touré, c'est mon père. Touré, c'est mon grand frère. Touré, c'est un ami. On se comprend, on ne se voit pas tout le temps. Et tout, mais c'est ce que je pense de lui, parce qu'on a une histoire. Moi, je ne l'appelle pas Alaïe Djitoulé, je l'appelle maître. Voilà. Je pense que beaucoup de musiciens de ma génération ont découvert Touré quand on avait entre 14 et voilà, 13-14 ans par là. C'était dans les années, fin des années 70. Moi, je l'appelle maître parce que c'est vraiment lui qui, je pense, a aidé beaucoup à structurer la basse camerounaise. La basse camerounaise, on a eu des aînés absolument fabuleux, des gens comme Dikoto Mandengue, des gens comme Lomma Fred, des gens comme Vicky Edimo, qui est à peu près de la même génération que Touré. J'accorde beaucoup d'importance à soutenir nos aînés. Je pense qu'on en souffre un peu beaucoup au Cameroun, on ne leur donne pas la place qu'ils méritent vraiment. Quoi. Et moi, j'accorde, pour ma part, énormément d'importance à ça, parce que je pense que la musique n'est pas une compétition. Quand bien même on joue du même instrument, si on prend un instrument avec Touré, là, on va s'amuser, on va pas. C'est pas une compétition, c'est pas du tout, c'est juste pour... voilà. D'abord, il y a une nuance. Je ne suis pas certainement. Je suis le parrain d'Alaïe Djitoulé. Parce que quand j'ai connu Alaïe Djitoulé, il venait de Bafoussam, il avait 15-16 ans. J'ai joué très longtemps avec lui, d'abord à Douala, au Castel, d'abord au Cameroun, ensuite en Europe. Et dans les studios partout. Mais je suis très fier de lui. Il a donné beaucoup dans la musique. Hein. Il a donné ce qu'il pouvait. Être bassiste, basse dans la musique, c'est ça qui tient tout. Quand vous avez un bassiste faible qui n'arrive pas à donner toute la musique qui est posée au départ, tout s'est désorganisé. Et donc il faut un bassiste charismatique qui vous donne le rythme, qui peut même, le batteur peut, ne peut même pas jouer, des fois il peut pas jouer, il peut ne pas jouer. Hein. Lui donne, je vais te donner un exemple. Un jour, on est venu faire une grande tournée au Cameroun. 12, on a fait 12 concerts. On est parti à Bafoussam. Et toute la section qui va crever parce que le 11e concert n'était pas encore payé, alors que le monsieur nous a fait le 12e. Alaïe Touré a pris les rênes. Il a dit, on va jouer. Et on va jouer. Les parties qui vont aller jouer, ils faisaient ça à la basse. Quand les gars ont su que, attends, la salle est pleine, les gens vibrent, ils voulaient entrer. On a dit non, on n'a plus besoin de vous. Voilà. Ça, c'est le rôle d'un bassiste. Parce que le bassiste, pour nous, c'est le guide, c'est lui qui est comme. Je suis un sawa de l'eau. La cousine Pirose, je suis maman et Djebalé. Le type qui est. C'est lui qui guide, le type qui est devant, c'est lui qui oriente le rythme et tout. Donc, c'est le bassiste. Thank you.
Il ne faut pas oublier tout le chemin que Alaji Touré a parcouru en tant que producteur. Et ça, c'est pas, y a pas 3 ans, quoi. J'ai l'impression qu'il a 90 ans de carrière. Tu ne pouvais pas écouter un disque sans entendre Alaji Touré. Si je remonte à cette époque-là, je dirais, sans exagérer, que 8 albums sur 10, quand on écoutait, Alaji Touré avait sa griffe dessus. Il a beaucoup travaillé aussi pour l'épanouissement de beaucoup de chanteurs. Les chanteurs de Makossa et d'autres chanteurs d'autres villes. Alaji Touré a produit beaucoup de gens que j'oublie d'ailleurs. Chaque fois, des fois à Paris, j'écoutais un truc. Ah, petit, c'est Touré qui produit. Ah, si, c'est Touré qui produit. Et maintenant, il est en masterclass. J'ai jamais assisté à la masterclass, comment ça se passe. Mais moi, je pense que c'est une idée géniale. Moi, je trouve ça génial. Il faut d'ailleurs qu'on ait beaucoup d'autres actions parallèles comme ça. Il fait que des efforts pour que, qu'il n'y ait pas de disparition au niveau des générations, que le métier soit reconnu, le métier soit respecté, parce qu'il se dit, voilà, lui l'a fait, il a donné, il a transmis aux autres. Maintenant, il faut que d'une manière, officielle, une manière, générale, que les jeunes apprennent aussi à lire et à écrire et à comprendre un peu la musique, raison pour laquelle ils se donnent les mains et les pieds pour que aujourd'hui la musique ne soit pas seulement quelque chose de son comme ça en l'air, que ça puisse être reconnu et que les jeunes puissent carrément comprendre ce qu'ils chantent, ce qu'ils écrivent, ce qu'ils peuvent jouer. Donc masterclass, c'est quelque chose de bien. Ça demande un encouragement, ça demande un soutien. Alors masterclass, bassiste, musicien, arrangeur, producteur, vous voyez que lui-même, lui seul occupe tous ces postes-là. C'est quelqu'un qui, dans ces fins des années 70, début des années 80, a fait ce qu'était le Makossa à cette période-là. Sidi Nabel n'était pas des moindres. Tous les grands succès de Toto Guillaume, travaillait beaucoup à l'époque. Il y avait de fortes chances que ce soit Touré qui soit derrière. Vienne le moment des masterclass où, comme je l'ai dit tantôt, il avait besoin de transmettre et transmettre de manière théorique et de manière structurée. Il a créé masterclass et c'est ça qui fait la grandeur des hommes et c'est ça qui fait la richesse d'un pays ou la richesse de quelque chose. Ce qui n'était jamais fait au Cameroun. Une particularité qu'Alaji Touré a eue, c'est d'abord de presque changer les statuts de la basse qui existaient déjà avant. Il existait déjà des bassistes avant que Touré n'arrive à la scène. Et quand il arrive à la scène, il révolutionne un peu, comme on peut dire. Voilà. Ce tempo, ce rythme et tout, donc il apporte une autre couleur, quoi. Et c'est ça même la chose la plus importante dans la musique, c'est d'avoir une personnalité. Et c'est ce qu'il a infligé à cette musique, notamment à la basse. J'essaie toujours de mettre la musique à l'avant parce que c'était d'abord la musique, quoi. C'est un très bon musicien avant d'être un très bon bassiste, quoi. Un monsieur comme Touré, c'est quelqu'un qui a œuvré, que moi je reconnais. Mais Touré, c'est une armoire qui produit encore et il faut lui faire confiance. Pour moi, Touré, c'est le maître et c'est la structure, quoi. La structure, c'est-à-dire que c'est beaucoup de sens de la mesure, c'est une manière très élégante et très propre à lui de jouer de cet instrument qui est de la basse. Et il fait ce métier depuis 30 ans. Je,
il a, moi, le mérite que je lui attribue, c'est qu'il ne se répète pas beaucoup. Et c'est très, très difficile de rester en haut comme ça pendant 30 ans et de ne pas justement se répéter à travers ce qu'on joue et quand on travaille beaucoup en studio. Je vais même lui demander bientôt même de se mettre à chanter un peu aussi, parce qu'il a une particularité, même au niveau de la voix, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Mais, et comme il entend bien les notes, je pense qu'il peut très, très bien chanter aussi. Mais ça, peut-être on verra ça au second album. Très respectueux. Jusqu'aujourd'hui, quand il me voit ou quand je le vois, il me dit, tous les jours, quand il me voit, quand il me dit « Salut grand ». Alors, Touré a apporté la vélocité dans ce métier. D'abord, il aimait tellement ce métier. Il aimait tellement ce métier que quand on a fini de jouer, d'ailleurs, on jouait en live. Hein. Le batteur, le bassiste, des fois le clavier et le guitariste, lui revenait encore. Il dit non, c'est pas bon. Quand on écoute, non, c'est pas bon. Il revient un autre jour, il me dit, grand, il m'appelle grand. Je suis pas satisfait de ce que j'ai joué hier, avant-hier. Je vais encore quelques séances de studio. Il repartit en studio, jouer, pour que ça soit bien. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui aime ce métier et quelqu'un est consciencieux. Il a amené un autre style à la base. Il a amené une vélocité. Il a amené une autre façon, la scène. Parce qu'en plus de ça, c'est un bon bassiste de scène. C'est un grand monsieur dans ce métier. Ça, moi, je suis quand c'est pas bon, j'ai dit adieu, fous moi le camp. C'est ça l'école même de la basse camerounaise, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand on prend l'école de la basse camerounaise, voilà, Aladji Touré est là. Mm-hmm. C'est Aladji Touré. Mm-hmm. Aladji Touré figure au panthéon de cette basse. C'est une marque déposée, quoi. Pour moi, c'est un modèle. Pour moi, il est plus qu'un monument. Touré, c'est un monument africain et mondial. C'est un des maîtres de la basse camerounaise. C'est un monsieur, c'est un garçon très intelligent. Il est toujours en train d'innover. Comme son père, c'est ça aussi un côté de créateur. Il joue bien, il produit, mais il crée d'autres choses que les gens, les visionnaires, ce n'est que les visionnaires qui peuvent voir ça.
sans cet homme-là, nous autres, on n'aurait pas eu envie de faire ce métier. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a donné un souffle, qui m'a donné un sens dans ce métier qui est pour moi aujourd'hui ma vie. Les gens comme Touré, comme Vicky, pour nous, c'est comme si, comment on appelle ça, c'est des monuments, c'est des édifices, voilà, et qui sont déjà érigés, voilà. Alors si nous, on peut en plus passer un peu le chiffon pour les faire briller, leur redonner vraiment, leur donner, c'est pas leur redonner, parce qu'ils sont déjà très brillants, mais les faire vraiment reluire c'est un grand plaisir. Je pense que j'en ai dit beaucoup et je pense que c'est... moi, je souhaite tout simplement longue vie et longue vie musicale. Longue route à lui et longue vie surtout à son groupe, à cette expérience en tant que touré leader. Parce que ça, voilà, on a une base comme ça et une nouvelle soit-elle, voilà, on a envie que les maîtres la bénissent, quoi. Voilà, c'est normal, quoi. C'est un bijou, ça. J'aimerais te voir aussi avec cette basse-là, parce que c'est vrai, je l'ai jouée chez toi. Voilà, celle-là, elle devient une de mes basses fétiches. Et donc, un instrument est très, très important, parce qu'un instrument, c'est ce qui transcrit ce qu'on a dans la tête et éventuellement qui passe par les doigts. Ouais. Donc, avoir un bon instrument, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Je pense que c'est vraiment capital. Et le maître a des bijoux aussi chez lui, des choses qui datent de mon année de naissance presque. Pas celle que tu viens m'arracher. Voilà. Celle-là, je voulais lui arracher, lui prendre pendant qu'il avait le dos tourné. Mais bon, voilà, parce que c'est des instruments qui ont une valeur déjà sentimentale. Et on ne parle même pas de la valeur financière, parce que c'est tout simplement inestimable, quoi. Ces instruments-là, on ne les estime plus. C'est ce qu'on appelle des séries L, des Fender. C'est absolument fabuleux. Je pense que le jour où il a trouvé ça... Mais 64, non, c'est ça, hein, c'est mon année de naissance. Voilà, donc voilà, il a une basse qui a mon âge, vous vous rendez compte. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux, et à travers ces instruments-là, on arrive à mettre tout l'amour et toute la science qui nous habite là-dedans, et on arrive à transcrire tout ça pour juste le bonheur de nos frères aussi, et le bonheur de tourner à travers le monde, et aussi le bonheur de faire danser un peu les gens chez nous, parce que ça compte aussi. N'enlevons jamais ce volet, parce qu'il est très, très important pour nous aussi. On s'exprime par le jeu, on s'exprime aussi par la danse, et c'est très, 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 très important. Donc le message pour le maître, c'est foncé, quoi. Rentre dedans, le temps est trop court, quoi. Vraiment, si on peut faire, faisons et laissons des choses pour que nos petits frères justement puissent profiter de cette bibliothèque, voilà, en disant oui, ça c'est Touré, ça c'est Tien Mbappé, ça c'est Bonin, ça c'est Richard Epessé, ça c'est André Manga, ça c'est Armand Sabaleko, ça c'est Vicky Edimo, ça c'est voilà. Que de bassistes, et même les très très nos aînés encore, même moi encore, mais c'est même les aînés de Touré comme du Koto Mandenga, ils font toujours des albums. Ouais. Et tout ça reste dans une bibliothèque dont on espère que la jeunesse va vraiment, vraiment, vraiment profiter. C'est un garçon qui m'a beaucoup aimé, qui a beaucoup d'estime pour moi et qui m'a beaucoup soutenu dans la musique et même dans la vie normale. Il a été beaucoup. C'est mon fils. Je ne dis pas plus. Bonne chance.
Thank you.